Alors, on est parti cette fois-ci pour de la mission secondaire avant d'attaquer la mission principale, puisque j'ai vu quelque chose d'intéressant qui se trouve ici. Esprit protecteur Kato et Isonade. Alors, Isonade, c'est la baleine, et Kato, c'est l'espèce de chien de feu. Donc, je pense sincèrement qu'on va commencer par lui, sachant que ça va me filer 4900. Ouais, bon. Et on aura 7 missions à faire de la mission principale qui sera en mission secondaire. Je verrai ce que c'est. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. Alors, celle-là. Ah, c'est au même endroit. Ah, bon, c'est un petit peu du. Ah, 3 sur 4. Donc, il y avait 4 codas sur celle-là. Apparemment, les yokai sont hors de contrôle dans les ruines et des montagnes. Une nuit, les bergers de résine, 3 objets scellés, chacun consacré. Ça sera trop tard. Puis-je vous demander de vous charger du problème? Ok. Alors, vu qu'on a un petit peu vu. Un petit peu trop vu ce décor, on va. C'est laquelle, celle-là? Oh, elle est jolie. On les fera. Alors, on les fera après, on va démarrer celle-là. Ah! Senji Tomei. Alors, je veux forger des armes plus puissantes, mais j'ai besoin pour cela d'un feu plus vif. Ce mage Omiyo que vous connaissez m'a dit qu'il existait une sorte de flamme yokai dans les mines d'argent d'Iwani. Pourriez-vous vous y rendre et m'apporter la source de leur feu? Alright! On est parti, on est parti, on est parti. Bon, un boss relativement anecdotique. Hein. J'ai trouvé des boss... des boss beaucoup plus durs. Jusqu'à maintenant. Je crois, en fait, le boss, c'est plus un personnage secondaire. Celui qui m'a posé le plus de soucis, c'est... celui, je me rappelle plus de son prénom. Celui à qui, si vous voulez, on a trouvé... on a fait une espèce de duel. Je me souviens plus de son prénom. Alors. Avant toute chose, faire des offrandes. Mmh. 255. Alors ici. C'est un peu... ouais. 21. Ah oui, alors celui-là, c'est celui que j'avais gagné tout à l'heure. Présence ennemie. Ah, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu. Armure d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Armure de vassal. Et au niveau des pompes... que du basique. Alors, j'avais vu quelque chose ici... Qu'est-ce donc? Non, certainement pas. Monter de niveau, on peut. 71 000. On va peut-être monter cela plutôt. Voilà. Alors j'avais vu quelque chose d'intéressant. Présence ennemie. Qu'est-ce que ça voudrait... oui. Présence ennemie. Pour le casque. Alors, que dois-je faire? Ah, j'ai 3 points de compétence, 2 points de ninjutsu et 2 de magie. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Ah bah s'il veut venir, il n'y a pas de souci, on va discuter. Qu'est-ce qu'on a là? D'accord. Ah,
ta mort. Comment ça, je suis déjà infesté? Sérieux, ça monte à ce niveau-là? Ok, ça c'est fait. Flèche, flèche. Ah, ça recommence, mais il est où l'autre? Il est fou. Ah, il est là, ça va. Ah, il y en a encore un. Ah non, c'est bon. Alors. Cordon de cuir. Bon bah au moins ça s'est fait. Maillet de shine. Alors. Là il me semblait avoir vu ça. En face il n'y a rien et c'est pas plus mal parce que ça m'avait saoulé la première fois. Ah oui, non, là je pourrais pas, donc il faut que je passe par-dessus. Alors qu'est-ce que ça va être encore comme connerie, comme boss? Une merde dans le genre. Oh putain, d'accord. D'accord, d'accord. Des gados. Ok. Je rigolerais qu'il puisse sauter. On s'en fout, on claque. Trousse de soins, cool. Pas très grave. Bah si, là j'y avais été.
cornes de démon. Blablabla. Là on avait quoi? On avait rien. Alors là il y avait quoi déjà? Juste un cadavre il me semble. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il faut que j'aille. Oui, d'ailleurs. Oui. Élixir au passage. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un petit passage en bas aussi. Ah, mais j'avais clairement pas vu ça. La première fois. Ah, oh, abusé. Bon, je dis pas que j'aurais pu louper un pur équipement de ouf, parce que, bon, les équipements de fou ici, c'est pas trop ça. Mais attendez. Ah mais non, j'ai dit de la merde. S'en mène derrière. Oui, mais il y aurait pu avoir quelque chose. Mais si. Mais je dis pas de bêtises puisqu'il y a quelque chose derrière. Là. Donc j'avais raison. D'ailleurs, je passe par là, mais je sais même pas s'il y a une autre. Si, ouais, j'aurais pu. Ok. La panique. Elle panique. Comme dirait notre cher Olivier Ruiz. Et j'aimerais bien voir ce qu'il y a quand même. Ah. Et ben voilà. J'ai vu. Il n'y a rien. Putain. Mais au moins, on sait qu'on peut y aller. Voilà. Donc si vous avez envie d'aller sur cette zone qui ne sert à rien, sachez que vous pouvez. Ah oui, il faut que je fasse aussi les missions d'entraînement en solo, histoire de déverrouiller l'accessibilité de mes autres points de compétences, sinon je vais être dans le... dans la panade, comme dirait l'autre. Alors c'est où? Putain, c'est lui ou c'est là? Oh, ça va. Allez, hache contre hache. Caillou. Caillou. Ah. Putain les mecs. Ah oui, putain ça faut que je l'ouvre. Faut pas que j'oublie. Alors. Comme ça c'est fait. Est-ce qu'on va trouver un kappa cette fois-ci ou pas? Bon alors qu'est-ce qu'on a? Parce que si c'est pour me retaper le boss, ça va être chiant en fait. J'annonce. Et ah ben non. Alors, il y en a où là? Là et là. Un de fait. Hey, salut! Ah mince, c'est vrai que je... On se réflexe comme Rex, quoi. Wow. Ah oui, mais je peux pas descendre. Je ne peux point. Ah ok. On se calme, les amis, il y en aura pour tout le monde. Il est où le petit? Il a abandonné ou quoi? Ouais. C'est dommage, tu étais presque.
problème. Oh! Alors, ça, activated. Où est-ce qu'il est le... Ah merde, il était là, putain. Je le voyais tellement plus près. D'accord, ça sera ça le boss, ok. On va... C'est moi où il y a encore du... Ah putain, il est où? Il y en a un autre ou quoi? J'ai l'impression qu'il y a plus de nuages de... Ou c'est moi? Encens yokai. Ouais, c'est vrai que je peux grimper ici. Il est vrai. Ah, ça a eu les... Oh, ok, tu m'as eu. Un point obtenu pour sa maîtrise du katana. Ok. Ah, il y en a un autre ici. C'est un combien ça? 34, pas intéressant. Voilà. Sûr qu'il n'y en a pas d'autres de nuages de... Putain, je trouve ça bizarre. Pourtant je suis pas empoisonné hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un... C'est pas... Et oh... Et arrêtez vos cailloux. Oh, t'as de la chance. Ouais. Ah, ça se voit qu'ils sont plus résistants parce que... Je fais un peu moins de dégâts que l'origine. Voilà. C'est moi ou je viens d'entendre? J'ai pas rêvé là. Ah non. J'ai eu peur. J'ai cru entendre un coda. Là, je me suis dit merde. Ah bah oui. Tu n'as plus rien, tu fais comment là? Hein? 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 Moi je te coupe les pieds et un bras et la tête et la tête. Putain les mecs. Voilà. Ok, ça c'est bon. Moi il y a celui du haut que j'aimerais faire là. Histoire de voir à quoi il ressemble. Déjà. C'est quoi? Bon. C'est qu'un petit yokai. Ça c'est fait. Ben, il ne reste plus que
plus que lui. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, bon, vous savez. Ça aurait pas été drôle. Ok. Monsieur n'est pas content. Bon bah d'accord hein. Merde. Oh le bâtard. Alors, hein. Alors. Qu'est-ce qu'on en dit là? On dit rien. Hop, la mission c'est fait, paf, on passe à autre chose. On va quand même voir ce qu'il y a derrière. Il n'y a rien. Allez hop. On n'a pas le temps pour ces conneries. Ça c'est fait. Alors, merci Andine, je suis sûr que le magmata va augmenter la chaleur du fourneau. Si je l'y insère, je peux même ressentir sa chaleur d'ici. Je vais préparer la forge. Ramenez-le là la prochaine fois que vous me rendrez visite. Je suis sûr que vous serez d'autant plus utile par la suite. Ok. Alors, forgeroux. Ilashai, vous avez donné magmata avec un goût ici. Le magmata a amélioré les capacités de la forge. C'est bien ça. Ah, en effet, plume de corbeau Tengu. Voilà, c'était les Tengu qu'on avait laminés. Et oui, il en faut quand même une pour confectionner une arme, quand même, à 250. C'est abusé quand même. Alors, comme je l'avais dit, hein, tout ça, on verra plus tard. Hop, on va à 25. Ah, il n'y a pas de... Nous, les mages Onmyo, maintenons l'équilibre entre ce monde et l'autre. Mais cet âge sanglant a duré trop longtemps, et l'outre monde lui-même déborde de l'âme des morts. Nous perdrons bientôt le contrôle. Anji-sama, je peux me servir de mes pouvoirs pour vous envoyer au royaume Yokai, la brèche entre le monde des vivants et l'au-delà. Pouvez-vous en échange utiliser vos pouvoirs pour dompter les hordes de yokai qui débordent jusqu'ici? Ça aussi, ça fait très Onimusha. Hein. Vous savez, quand... Enfin, ça fait très Onimusha, c'est une façon de parler. Mais quand vous devez descendre énormément dans les abîmes, en fait, pour essayer de gagner une arme... Comment elle s'appelle déjà? C'est pas la Shinra? Je me souviens plus. C'est une arme que vous utilisez quasiment en fin de, à la fin du Gemu. Salut. Alors. Ouch. Ah d'accord, donc ça va être une succession de combats, c'est ça? C'est ça. Ah cool. Ça j'aime bien. Hop, l'eau et feu. Allez, viens. On n'a pas de temps à perdre. Ouais.
ce jeu. Là on a du matos là. Là on a du gros. Ben voilà. Ah. Ça par contre je trouve pas ça. Je trouve pas ça top le fait que. Parce que en fait, techniquement parlant, quand je fais ça plus le dash sur un ennemi, c'est censé être un contre. Vous voyez ? Ce qui veut dire que un contre, voilà, à part de contrer un contre, vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve pas ça en fait. Je trouve pas ça logique de. De se faire plus ou moins péter la gueule. Et ici lequel là? Ah oui, ok. Ok. Il va bien y avoir un gros truc. Ouais, voilà. Pas celle-là que je voulais. Merde. Où il est là ? Ah, au moins le petit c'est fait. J'avais vu un élixir, je crois, là-bas que j'avais oublié de prendre. Ouais, là, c'est chaud pour mon cul. Non, ça va. C'est fail. Voilà, ça. Oh non, 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 non. Ça, pour moi, c'est pas censé pouvoir se faire. Vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Le fait que... le fait qu'on... ouais, d'ailleurs, on se barre comment? Ah ouais, ça sera avec ça. D'accord. Voilà, ce coup-là, pour moi, il n'est pas censé être contrable. Et je trouve ça un peu dommage... censé être contrable. C'est pour ça que ça m'énerve. Et ça va se calmer les gens là.